cœur. Que Dieu vienne tabernacler en chacun de nous. Et les voilà voir, prions le Seigneur. Oh Dieu. Oh, nous t'élévons, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que l'honneur soit à toi. Que ta présence, oh Dieu, demeure en chacun de nous, Seigneur. Que ta puissance descende. Que ta gloire soit reconnue, Seigneur. Que ce lieu soit, oh Dieu, rempli de toi. Oh, la Bible dit, les apôtres prièrent. Et le lieu dans lequel ils étaient tremblaient. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Je prie, oh Dieu, que tu remplisses ce lieu de ta présence, de ton onction, Seigneur, de ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, sois avec nous, Seigneur. Sois en ce lieu, Seigneur. Posez la main sur vos têtes. Dieu tout-puissant. Oh Dieu, la distance n'est pas une barrière. Seigneur, oh Dieu, Joas posa la main, oh Dieu, sur l'arc. Et Élisée posa la main sur lui. Et il se fut une flèche de délivrance. Seigneur, tes fils et filles. Oh Dieu, dans le besoin de prière, en poser la main sur leur tête. Oh, parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta touche, de ta visitation. Que ta puissance et ta gloire descendent et les libère, Seigneur, de tout ce que le diable peut semer dans leur vie. Que ce soit dans le nom de Jésus-Christ, toi qui mouris à la croix, Père. Oh, toi qui les as rachetés par ton sang, je maudis toute maladie dans leur corps. Je pose ma main sur leur corps, sur leur tête, sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Et je condamne toute maladie. Je condamne tout esprit méchant. Je te condamne, Satan. Je te condamne, démon. Je condamne toute puissance des ténèbres qui a été envoyée. Je détruis chaque œuvre, toute œuvre de ténèbres, de Satan, de la sorcellerie, tout ce que l'ennemi, en parole, en acte, a semé dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Satan, je te chasse de ce lieu. Sors de ma soeur, sors de mon frère. Jésus les libère. Jésus-Christ les libère. Jésus-Christ les libère. Jésus-Christ a vaincu Satan. Transformer la gloire de Dieu vienne sur ses enfants au nom de
Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aimerais parler sur souvenez-vous de la femme de Lot. Nous prenons Genèse chapitre 19, les versets 23 à 29. Et j'avais donné Luc 19, mais Luc 17. Luc 17, versets 28 à 37. Amen. Genèse chapitre 19. Genèse 19, verset 23. Le soleil se couchait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Et il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre, les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Souvenez-vous, la femme de Lot regarda en arrière. Luc chapitre 17, c'est le verset 28, dans le Nouveau Testament. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 17, le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot, c'est cela, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et il a été photographié. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. En train de piler, vous voyez que le pilon est tombé. Mais vous regardez devant vous, il n'y a personne. Amen. Peut-être ses habits, il y a ses habits qui sont laissés là, comme le manteau d'Élie, mais lui-même n'est pas là. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une fuite d'esprit. Ce n'est pas, amen, spirituellement, mais physiquement aussi. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ajoute tes bénédictions à ta parole. Ô Dieu, enfin que nous puissions comprendre. Oui, lorsque tes enfants auront compris, Seigneur, ce que tu veux qu'ils comprennent ce soir, et que dans leur cœur, une ferme décision, engagement, ô Dieu, sera pris de saisir la parole
d'agiter l'épée de la parole. Oh Dieu, de marcher avec cette épée chaque jour de leur vie. Alors Seigneur, oh Dieu, nous comprenons que tu nous as bénis, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Il fallut en ce jour-là, Sodome, nous le savons, amen, est un territoire dans la plaine. C'était une ville, Sodome, Gomorre et tout cela, c'était un territoire à la vie facile. Là où les gens aimant la vie facile, aimant les plaisirs du monde, aimaient être, aimaient habiter. Amen, un lieu sans Dieu. Amen, ils aimaient être dans ces endroits-là. Gloire à Jésus-Christ. Et même lorsque Lot était en voyage avec Abraham, amen, sortant de Babylone, amen, pendant ce voyage, Abraham leur a parlé. Gloire au Seigneur. Amen, nous sommes dans un territoire, mais à côté de nous, il y a une plaine. Il y a Sodome et Gomorre. Amen, il y a là-bas de grands pécheurs, des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui ne tiennent pas compte de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes sortis de Chinéa. Nous sommes sortis, amen, alléluia, de où? Des Chaldéens. Mais aussi, là où nous sommes venus, Dieu ne veut pas que nous collaborions. Nous marchions avec les gens qui disent habiter le pays aussi. Amen. Nous avons quitté le monde et nous sommes venus en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, lorsque nous sommes arrivés, nous avons aussi trouvé des gens qui disent aussi qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils s'appellent Église aussi. Ils s'appellent chrétiens aussi. Ils disent qu'ils adorent Jésus-Christ aussi. Ils sont dans le même pays promis à Abraham. Mais Dieu ne nous demande pas de collaborer avec eux. Lorsqu'Israël est sorti, amen, de l'Égypte, Dieu les a séparés de l'Égypte. Amen. Pour les conduire à entrer à Canaan. Mais là-bas aussi, il y avait les Philistins. Là-bas aussi, il y avait les Phéréziens, les Éviens, les Étiens, les fils d'Anak. Amen. Mais Dieu leur a dit, amen, n'imitez pas la voix des Égyptiens. Et le pays même où vous allez rentrer, n'imitez pas la voix de ces gens-là. Mais votre pays sera votre loi. Votre pays sera la loi. Votre pays, c'est les deux tables de loi qui vous a été données par le prophète majeur. Par le prophète majeur, Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Lot a voyagé. Et aussi longtemps qu'il restait avec H.A.M., il n'avait pas de problème. Et frère, aujourd'hui, nous sommes dans la même condition. Nous avons H.A.M., le nom à cette lettre. Gloire au Seigneur. Nous avons reçu la visite de l'ange. Nous avons reçu la visite de l'ange de l'Alliance. Gloire au Seigneur. Nous avons un prophète. Amen. Et voyez-vous, ce prophète aime vivre dans les hauteurs, dans les endroits où il n'y a pas trop de plaisir, dans les endroits où il n'y a pas trop d'herbe. Les brebis qui le suivent marchent dans des endroits difficiles. Il n'y a pas trop d'amusement là-bas. Mais c'était le lieu de la vie. Quitter ce lieu, c'est choisir la mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors tu peux venir dans le message et puis te plaindre. C'est trop dur ici. On parle toujours contre le péché. On dit toujours de ne pas vivre comme cela. Non, moi je vais m'amuser aussi. Non frère, nous ne sommes pas venus ici pour des ambiances faciles. Amen. Ceux qui veulent un moment de zouglou, etc., ce n'est pas ici. Gloire au Seigneur. Continuez votre chemin. Mais ici, nous aimons être sur la montagne. Amen. Et Lot devait rester là. Ces brebis, même qui ont eu des problèmes avec les brebis, amen, d'Abraham. Ces bergers, alléluia, qui ont eu des problèmes avec les bergers, amen, d'Abraham. Et ces pasteurs qui avaient des problèmes avec le pasteur d'H.A.M. Gloire au Seigneur. Tout ça, c'était l'épreuve de Dieu. Amen. Afin de l'éprouver, de l'agiter comme un arbre en temps de vent, pour savoir s'il est avec Abraham à cause des brebis, ou bien il est avec Abraham parce qu'il aime le Dieu d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Et frère, nous sommes ici pas à cause d'un frère,
à cause d'une sœur, à cause d'un travail. Nous sommes ici parce que nous servons le Dieu d'Achaël. Amen. Nous savons que l'éclair qui est parti de l'Orient, qui a voyagé depuis l'Orient, amen, passé par Paul, Irénée, etc. Amen, Martin, amen, Colomba, etc. a voyagé jusqu'à aujourd'hui. L'éclair se trouve ici. L'éclair s'est arrêté sur lui. Entrez en lui et vous trouverez Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, alléluia, ils sont sortis de là-bas, mais ils devraient aussi sortir de Sodome. Lot, pour avoir la vie, devrait sortir de Sodome. Gloire au Seigneur. La femme de Lot, pour avoir la vie, devrait sortir de Sodome. Dieu les appelait à sortir. Sortir de Sodome, c'est ça le salut. Le salut pour eux signifiait sortir de Sodome. Il y avait des... Là-bas, c'était les plaisirs. Là-bas, c'était... Voyez-vous, l'homosexualité. Là-bas, c'était... Amen, alléluia, la musique impure, les films impurs. Regardez aujourd'hui ce monde de Sodome. Tout est sexuel. Tout est sexuel. Tout est sexuel. Amen. Même la sexualité à l'église. Vous avez vu même des pasteurs. Amen. Qui déshabillent des filles. Et ces filles se couchent sur lui en plein culte. Amen. Et c'est par ce moyen qu'elles seront délivrées. Et vous avez ça sur Internet. Vous en avez, etc., qu'on n'ose même pas dire ce qu'ils font, même à l'autel. Gloire au Seigneur. On déshabille. On ne peut même pas dire. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça se fait. Qu'est-ce que c'est? C'est l'église établie à Sodome. Mais l'église qui doit être sauvée doit quitter Sodome. Doit quitter Sodome, frère. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on cherche une église facile. Amen. Vous ne voyez plus de différence entre celle qui dit les évangéliques et puis des catholiques. Même chose. C'est des églises de Sodome. Aujourd'hui, appeler à sortir de Sodome, c'est sortir du monde. Mais sortir aussi du monde religieux. Sortir aussi du monde religieux. De ces églises, amen, qui... Alléluia, qui ne sont là que de nom et qui disent croire en Jésus-Christ que comme un slogan. Mais la vie chrétienne est absente. Et frère, Dieu doit trouver un lieu quelque part. D'où viens-tu? Je viens de me promener sur la terre. Le diable même doit rendre témoignage de chacun de nous. Il doit rendre témoignage de chacun de nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Lot, sa femme et ses enfants vivaient dans Sodome. Mais ils croyaient que tout allait bien. Mais aux yeux de Dieu, tout n'allait pas bien. Gloire au Seigneur. Ils ne pouvaient pas rester là et avoir la vie. Parce que ce lieu allait être jugé. Pour qu'ils puissent avoir la vie, il fallait qu'ils sortent de là. Amen. Et voyez-vous, ils ont reçu la visite des anges. Dieu envoie toujours des anges et des prophètes pour visiter ses enfants. La voix de l'ange, c'est la voix de Dieu. Amen. Et Dieu, c'est un ange de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Un prophète visitant son peuple, c'est la grâce de Dieu. Et rejeter le prophète, c'est la mort. Lorsque ces deux anges descendaient à Sodome, c'était la seule occasion qu'ils avaient de rester en vie. Croire à ces anges, c'est garder la vie. Les rejeter, c'était la mort. Et voyez-vous, les anges sont arrivés. Lot, Dieu merci, les a reconnus. Il les a reçus dans... Il les a hébergés. Ce qui est merveilleux. Parce qu'ils ont reconnu, il a reconnu que ces gens-là sont des gens particuliers. Des personnes particulières. Parce que vous pouvez même être assis à l'église ici et quand Dieu... William Branham, vous ne comprenez pas toujours. Pourquoi on ne dit pas toujours Jésus-Christ et puis on cite William Branham, etc. Vous vous posez toujours des questions. Mais il faut une révélation. Dieu doit vous révéler qui est William Branham. Le salut commence par là. Votre foi commence par là. Tant que la foi est une révélation. Et Dieu doit te révéler qui est William Marion Branham.
Et lorsque Dieu t'a révélé qui il est, ne te mets pas sur la même base. Ne te mets pas au même niveau que celui qui ne le reconnaît pas. Gloire à Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, amen, marchaient différemment. Mais tout le monde en Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ. Mais il fallait reconnaître Jésus-Christ pour avoir la vie. Amen. Mais Dieu merci, Lot a reconnu les anges et il les a hébergés. Et lorsqu'il les a reçus, il a parlé de ses anges, amen, ses enfants, ses filles, ses deux filles, amen, sa femme et tout cela. Et parce qu'ils ont reçu les anges, ils doivent avoir la vie. C'est la grâce de Dieu. Alors l'ange connaît le chemin du ciel. L'ange connaît le chemin du salut. Parce qu'un jugement vient sur Sodome. Et frère, le monde d'à présent dans lequel nous sommes, c'est Sodome. Amen. Alléluia. L'apôtre Pierre prédit le feu pour cette terre. Nous ne savons quand est-ce que cela se produira. Mais nous savons une chose, c'est que cela se produira. Amen. Et voyez-vous, amen, l'autre les a reçus. Et voyez-vous, les anges lui ont montré le chemin. Vous dites, vous deviez quitter ce lieu. Parce que c'est inscrit sur une liste noire. Et vous devez sortir, vous deviez, amen, aller dans les montagnes. Vous deviez quitter ce lieu et aller là où je vous montre. Et Lot est parti, il a prêché. Il est allé, il a prêché et tout cela. Mais les gens ont ri de lui. Or, ils riaient pour la dernière fois. Je sais qu'ils ont ri de lui hier. Mais cette fois-ci, ils étaient en train de rire de lui pour la dernière fois. Gloire au Seigneur. Il a eu la révélation. Il a reconnu les anges qui sont venus. Il sait que les anges sont venus. Il sait que leur parole est certaine. Il sait que le jugement de Sodome est inévitable. Amen. Il sait que ces gens qui sont là en train de rire vont périr. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais il a prêché quand même. Et les gens n'ont pas reçu cela. Gloire au Seigneur. Amen. Et alléluia. Le temps a une limite. Et un jour, il a prêché, il les a appelés pour la dernière fois. Amen. Et la grâce de Dieu leur a dit, il est temps pour vous de sortir. Et l'ange même les a pris par la main pour dire sortez. Béni soit le nom du Seigneur. Les incrédules sont restés. Et il y a un groupe qui est sorti. Vous comprenez cela? Nous partons dans le monde, nous parlons de la parole. Vous êtes venus. Et il y a des gens qui ne sont pas venus. À qui même vous parlez, mais qui ne viennent pas. Ils vont se dire, nous aussi on va à l'église. Nous aussi on va à l'église. Et l'autre est sorti avec un petit groupe. Mais au milieu de ce groupe qui est sorti avec lui, il y a une personne qui est sortie physiquement. Mais dont le cœur était toujours attaché aux choses de Sodome. C'est ça qui est grave, frère. Amen. Nous avons laissé le monde et nous sommes venus nous asseoir ici au temps du soir. Amen. Et nous donnons l'impression de croire. Béni soit le nom du Seigneur. L'autre croyait que sa femme croyait aussi. L'autre pensait que sa femme croyait. Et elle est sortie. Amen. Alléluia. Elle, amen, a marché avec eux pendant un moment. Pendant un temps, elle a cheminé avec eux. Elle a voyagé avec eux pendant un moment. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères, si c'est physiquement que tu es venu à l'église, mais pas avec ton cœur, tôt ou tard, ta vie se retournera là où se trouve ton cœur. Amen. Physiquement, avec ses pieds, elle était sortie de Sodome. Vous comprenez cela? Si on regardait physiquement, elle était sortie. Mais c'est l'état du cœur. C'est le cœur qui sera circoncis. C'est l'état du cœur. Ton âme, c'est ton cœur. Gloire au Seigneur. Tu étends à Sodome comme hors de Sodome. C'est l'état du cœur qui va prévaloir. Voyez-vous, le prophète nous dit, la mort ne change pas notre nature.
là où est notre cœur, l'état de notre cœur. Amen. C'est ce qui va déterminer notre destinée éternelle. Gloire au Seigneur. Elle est sortie physiquement. Tout le monde pouvait voir. Les enfants, ses filles étaient joyeuses de voir que maman est sortie. Maman est venue physiquement. Mais dans le cœur de maman, maman était toujours attachée aux choses de Sodome. Nous pouvons être assis dans l'église, des membres physiquement assis dans l'église, mais le cœur attaché aux choses du monde. Ça ne te sauvera pas. Gloire au Seigneur. Une fois on a vu Israël, ils sont sortis de l'Égypte, mais leur cœur n'est pas sorti de l'Égypte. Alléluia. Des quatre qui sont sortis, ils étaient quatre, non? Gloire au Seigneur. La femme de Lot, celle-même qui dort dans son sein, de deux qui sont sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. Les enfants ont cru la religion de papa, mais madame ne croyait pas. Que Dieu nous fasse grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ses pieds sont sortis, mais parce que son cœur était toujours attaché. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais parce que son cœur n'est pas sorti, elle a subi le même sort que ceux qui sont restés là-bas. Elle a été frappée de mort. L'état du cœur. Est-ce que tu aimes ce message? Tu es assis dans une assemblée qui croit le message de William Branham. Mais est-ce que dans ton cœur tu crois? Est-ce que dans ton cœur tu es véritablement attaché à ce message? Amen. Ça sera la grande désillusion. Mais je crois que ça sera peut-être... Nous, on ne comprendra pas. Mais vous comprenez. Croyez du cœur. Croyez physiquement. Croyez du cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. J'ai écrit quelque chose, mais ça sur le monument. Vous savez, le monument de Dieu, c'est l'homme. Et voyez-vous, lorsqu'il traversait le Jourdain, Dieu a dit à Josué, tu prendras 12 pierres, tu feras un monument, c'est quelque chose qui est élevé pour subsister dans le temps, afin de rappeler un souvenir. Et il a dit à Josué, tu ramasseras 12 pierres dans le Jourdain, et tu feras un monument dans le Jourdain. La partie sec là, tu feras là un monument. Et vous ramasserez aussi 12 pierres. Et quand vous sortirez du Jourdain, vous ferez aussi un monument hors du Jourdain. Donc le monument qui est dans le Jourdain et hors du Jourdain était le même monument. Vous comprenez cela? Amen. Mon extérieur et l'intérieur doivent parler le même langage. Et ce qui est à l'extérieur, les gens voient ça. Ce qui est dans l'eau, Dieu seul voit ça. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a les œuvres et il y a la foi. La foi sans les œuvres est morte. Gloire à Jésus-Christ. Les œuvres sans la foi, c'est de la religion. C'est de l'imitation. Mais la foi sans les œuvres, amen, c'est un mensonge. Mais la foi et les œuvres doivent être un. Gloire au Seigneur. Le monument qui est dehors et le monument qui est à l'intérieur doit être le même monument. Ce que les hommes voient et ce que Dieu voit doit produire les mêmes fruits. Le même témoignage. Nous le croyons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est sortie physiquement, mais son cœur était toujours là-bas. Qu'il ne soit pas ainsi. Il doit avoir, le cordon ombilical doit être coupé. Béni soit le nom du Seigneur. Doit être coupé. Alléluia. Et que notre cœur soit totalement tourné vers le Seigneur. Tous ceux dont le cœur ne quitte pas le monde meurent en chemin. Elle est morte en chemin. Israël est sorti de l'Égypte, son cœur était toujours là-bas. Désirant toujours. Alléluia. Désirant toujours les choses de l'Égypte. Désirant toujours les choses de l'Égypte. Que Dieu ait pitié de nous, frères. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Sodome. Mais comment échapperons-nous? La manière dont ils ont échappé.
c'est de cette même manière que nous aussi nous allons échapper. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui ont cru véritablement à la visite des messagers à Sodome, ceux qui ont cru du cœur, ont été sauvés. Ceux qui sont venus faisant semblant, à la fin, leur incrédulité s'est fait voir. Frère, j'aime le Seigneur. J'aime ce message. Aimez aussi ce message. Aimez le message de William Branham de tout votre cœur. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont véritablement reconnu la visite de l'ange et ont cru ont été sauvés du feu de Sodome. Amen. La femme de Lot n'a pas reconnu, amen, alléluia, la visitation et elle a péri. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Moïse, amen, ils ont péri. Ils n'ont pas reconnu la visite de l'ange. Elle est morte en chemin. Elle a suivi le groupe qui croyait véritablement. Amen. Alléluia. On ne peut pas mentir avec Dieu. On ne peut pas mentir avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, du Seigneur. Amen. Notre cœur sera dévoilé. Quand Moïse les conduisait. Amen. Tous ceux, je le disais la dernière fois, qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas cru véritablement en Moïse, pour eux, ils se sont servis de Moïse pour sortir de l'Égypte. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas avec Moïse. Ils sont morts dans le désert. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Dieu, le Logos, la plénitude de Dieu dans la chair. Et il n'y a qu'une seule personne qui a reçu cette plénitude, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Lorsque Dieu lui-même vint dans la chair, ceux qui n'ont pas reconnu cela ont péri. Titus a été envoyé et ils ont péri. Gloire à Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Jean-Baptiste ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frère, quel que soit ce que nous sommes, Dieu regarde à l'état du cœur. Si Dieu regarde à la chair, on dira, oh, il est sapé, il a porté veste, elle est bien coiffée, elle a porté une chaussure de classe, amen, elle a une voiture, il a une voiture, si Dieu regarde à la chair. Mais la chair, le cœur ne regarde pas à tout ça. Le cœur ne conduit pas voiture. Le cœur n'a pas voiture, n'a pas habit, n'a pas chaussure, n'a pas souliers. Le cœur regarde à Dieu. Amen. Quand le feu est descendu sur ce homme, frère, cela, amen, le jugement ne regarde pas le nom des gens. Tu as le plus beau nom de la ville. Tu es le président. Tu es le fils du directeur. Le jugement ne regarde pas ça. Gloire au Seigneur. Tu es un homme vraiment qui fait beaucoup d'actions sociales. Le jugement ne regarde pas ça. Quel que soit ce que tu as été, le jugement ne regarde pas ça. Vous comprenez cela? Le jugement regarde droit dans le cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à la voix de l'ange? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? La foi regarde à cela. Et frère, c'est ce que nous devions faire aussi. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, le temps de Sodome. Jésus a prédit cela. Jésus a dit, ce qui est arrivé au jour de Lot arrivera pareillement. Amen. À la fin des temps. Regardez même aujourd'hui comment les hommes sont féminisés. Ils sont efféminés. Vous trouvez aujourd'hui pratiquement tous les garçons, jusqu'à même, ça atterrit même dans l'église, des garçons avec des cheveux, c'est pas Rasta. C'est pas des cheveux Rasta. Rasta, on connaît, c'est long, etc. On connaît les Rasta, les reggaeman. Mais ça, c'est pas reggaeman. C'est l'esprit de Sodome. C'est les garçons se tressant comme des femmes. Gloire au Seigneur. Amen. Des garçons se tressant comme des femmes. C'est l'âge de l'homosexualité.
C'est l'âge de Sodome. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un que nous sommes dans l'âge de Lot, de Sodome, pour comprendre. Parce que cela te regarde droit dans les yeux. Les hommes s'éclaircissent. Les hommes se tressent. Les hommes portent des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'est? La perversion amène dans des habits. C'est la perversion dans la chair. L'esprit de débauche, d'impureté dans la chair. Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas arrivera pareillement. Il l'a prédit dans Luc 17. Et aujourd'hui, amen, à regarder seulement les gens qui nous entourent, nous savons que cette parole est accomplie. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, amen, alléluia, politiquement, dans la société, nous voyons que cela est accompli. Et le messager que Dieu nous a envoyé dans son ministère a accompli aussi cela. Gloire à Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Lisons Luc 4, 16 à 20. Amen. Si tu crois le message, ta vie doit le montrer. Ce n'est pas une affaire d'après les gens, ouba. Non. Mais ta vie d'abord. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Un homme parlait de William Branham. Amen. Il dit, alléluia, ce que je peux dire de cet homme, je ne suis pas d'accord avec ses doctrines. Mais au moins, il faut être honnête pour reconnaître quelque chose. C'est que cet homme a vécu une vie irréprochable. Amen. Et ça, c'est la manifestation du ministère de Jésus-Christ. Les gens ne pouvaient... Qui me convaincra de péché? Personne ne pouvait le convaincre de péché. Ils avaient des problèmes avec sa doctrine, mais pas avec sa vie. Et le croyant de ce message doit s'identifier à la vie du prophète. On ne doit pas nous condamner pour notre vie. Notre vie doit être exemplaire, frère. Vous pouvez dire amen? Que ceux qui croient disent amen. 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 On acclame le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Le témoignage. Béni soit le nom du Seigneur. Le témoignage. C'est très important. Ne pas salir le témoignage. Je dois garder mon témoignage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas dans le monde là-bas pour taper mon patrine, j'ai marqué un but. Non. Amen, etc. Quelle voiture, quelle richesse, quel travail, qu'est-ce que j'ai, etc. Mais je veux bondir la poitrine pour dire je suis un croyant. Je suis un croyant. Que l'on sache que le message que je crois, il n'y a aucune autre vérité. Je vais au moins bluffer pour ça. Oui. Je suis un chrétien. Que les gens soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ce n'est pas mon affaire. Gloire au Seigneur. Le volant de ma vie ne doit pas être entre les mains de quelqu'un, mais entre les mains de Jésus-Christ. Que papa, maman, frère, soeur ne soient pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Amen. Je ne vais pas marcher pour un temps. La femme de Lot a marché pour un temps. Et puis, amen, arrivé un moment, elle s'est détournée. Ne venez pas dans le message pour un temps. Et puis après, vous vous détournez. Non, ne vous détournez pas du message. Détournez-vous du monde. Alors, il marche, arrivé un moment, il se détourne. Ils sont arrivés à leur frontière. Mais, lorsque je suis la parole, il n'y a pas de frontière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume, selon ses habitudes. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'est ça, nous sommes des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, nous avons une habitude. Notre coutume, c'est de venir à l'église chaque jour. Parce que nous sommes des Jésus. Il se leva pour faire la lecture. Vous suivez cela? Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20. Ensuite, il roula le lit, le remit au serviteur et s'assit.
Et tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il se tient debout là et c'est un sacrificateur, un prêtre qui vient et puis qui lui donne sa Bible pour lire dedans. Amen. Et il lit dedans et quand il finit, il lui a remis ça. Les aigles comprennent. Gloire à Jésus-Christ. Et dans le ministère de William Branham, Dieu va montrer qu'il est en train de réécrire le ministère de Jésus-Christ. Amen. Dans les douleurs de l'enfantement, dans le message des douleurs de l'enfantement, au paragraphe 26, lorsque William Branham, amen, devrait prêcher ce jour-là les douleurs de l'enfantement, ce jour-là sa femme, sa Bible avait tellement été, que sa Bible a vieilli, mais tout ça, c'était dirigé par Dieu. Sa femme lui a acheté une nouvelle Bible pour lui faire cadeau. Amen. Et il y a deux pages là qui vont coller et tout ça. Et qui vont faire que là l'impression et le rangement était tellement bizarre qu'il a étudié à la maison avec son ancienne Bible. Mais il va venir à l'église avec la nouvelle Bible que sa femme lui a donnée. Et lorsque il arrive le moment où il doit lire, mais il prend la partie, il lit, c'est pas ça. Il voit, il ne retrouve pas. Il voit, il ne retrouve pas. Il tourne, il demande, etc. Frère, ce n'est pas ce passage-là. On dit oui, c'est ça. Quelqu'un dit là-bas, ta Bible a été mal imprimée. etc. Il ne comprend pas. Gloire au Seigneur, frère. Vous pouvez noter cela, mais. J'aimerais tellement aller vite pour terminer, etc. et tout ça, mais ça est dedans ici. Amen. Etc. Si vous lisez les douleurs de l'enfantement, béni soit le nom du Seigneur. Les paragraphes 20, 26 à 28. Je pense que j'ai pris plutôt un autre passage. Bon, excusez-moi, un petit instant. Je cherche la prière de Jésus. Que plutôt, non pas la prière de Jésus, mais ça, il se trouve que j'ai commis une erreur, que j'ai noté ça ici dans mon texte. Et là, où Jésus a prié, ou plutôt il a dit, comme une femme en travail pour la naissance de son enfant, la naissance d'un enfant, est-ce dans Luc, dans Jean ou dans Jacques que se trouve cela? Quelqu'un dit Jean 16, je pense bien que c'est ça. Mais ça me semble tellement être cela, Jean 16 au verset 21, quelqu'un sur l'estrade dit oui, bien sûr, au verset 21, bien sûr. Mais nous y voilà, Saint Jean 16, 21, afin que... Non, frère Jacques, gloire à Jésus-Christ, amen. Frère Jacques, ce n'est pas le passage. Quelqu'un dit, essayez Jean 21, quelqu'un d'autre dit 21, quelqu'un d'autre dit le verset 21 du chapitre 16, quelqu'un d'autre dit 16, 21, j'ai le 16 de Saint Jean. Est-ce que je me trompe? Un frère dit, je veux vous passer ça, le passage où ça se trouve. Eh bien, il y a un désordre, quelque chose manque, un mélange dans cette Bible, certainement. Frère, on l'a mal imprimé. Hein, quelqu'un dit, un frère dit, on l'a mal imprimé. On l'a mal imprimé, certainement. Et l'assemblée rit. Gloire au Seigneur. Amen. Et je vais aller vite et tout ça. Gloire au Seigneur. Oui, on peut aller. Et l'assemblée rit. C'est tout à fait la vérité. C'est une Bible toute neuve. Je viens de la recevoir. Elle est mal imprimée. Un prêtre catholique qui se trouvait sur l'estrade, le révérend, amen, Jean Stanley, s'avance pour remettre sa Bible à frère Branham. Hein, frère? S'avance pour remettre sa Bible à frère Branham. Amen. Et il dit, prenez le temps de respirer. Amen. Il y a une raison pour laquelle c'est arrivé. Amen. Nous, vous le savez. Amen. Dieu va vous montrer quelque chose en rapport avec ceci. Amen. Quelque chose de merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le 27, très bien.
Vous n'avez qu'à utiliser la mienne, frère. Voyez-vous, c'est le prêtre. Utilisez la mienne. Merci, merci beaucoup. 16, 21, merci beaucoup, c'est vrai. La femme, lorsqu'elle en vérité, etc. Et il a commencé à lire, etc. Le verset 28. 28. Et là, il dit, merci beaucoup, mon frère. J'apprécie vraiment cela. Et frère Branham remet la Bible au prêtre catholique. Gloire au Seigneur. Amen. On lui a remis, le prêtre lui a remis, et il a fini de lire, et il remet la Bible au prêtre catholique. Et voyez-vous, Dieu va lui montrer, dans la prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêchez le 25 premier mois 65, à partir du paragraphe 12. À partir du paragraphe 12 là-bas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu va lui montrer que c'est l'accomplissement de Luc 4, des versets 16 à 20, qui vient de s'accomplir. Aujourd'hui, cette portion de l'écriture de Luc 4, 16, 20 est accomplie dans ton ministère. Qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de Jésus-Christ que William Marion Branham recrit à nouveau dans cet âge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a dit, dans Lot, là, on lisait Lot dans Luc 17 là-bas, il dit, ce qui est arrivé au jour de Lot là-bas arrivera de même au jour où le Fils de l'homme, amen, paraîtra. Or, nous savons qu'aujourd'hui, il est le Fils de Dieu. Il était le Fils. Amen. Il était le Fils de l'homme. Il est aujourd'hui le Fils de Dieu. Et dans le millénium, il sera le Fils de David. Et si aujourd'hui, pendant qu'il est le Fils de Dieu, il est parlé du Fils de l'homme qui vient, oh, le Fils de l'homme, c'est quoi? C'est le ministère de Christ manifesté dans une chair humaine. Ça veut dire qu'un homme se lèvera sur la terre pour manifester exactement le ministère que Jésus-Christ a manifesté. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous? C'est la visitation de Dieu. C'est Dieu visitant cette génération. Et rejeter cela, c'est signer sa condamnation. Ne laissez personne vous faire croire autre chose. Que Dieu vous révèle ce message. Et que vous en soyez convaincus. Et que rien ne puisse vous déboulonner dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus était là, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est-à-dire si vous ne me reconnaissez pas, vous mourrez dans votre péché. Dans Jean 8, 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché, dans vos péchés. Car, amen, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Dieu doit te révéler, c'est-à-dire ton conducteur, le pasteur même que Dieu te donne, Dieu doit te révéler qui il est. Quand Dieu te révèle le pasteur, te révèle que c'est ton pasteur, tu ne suivras pas quelqu'un d'autre. Un pasteur champion même peut prêcher comme je ne sais pas quoi. Amen, comme du sucre. Mais mon pasteur. Amen. Alléluia. Une femme peut venir, elle est belle, jolie. Jolie, bien bâtie, jolie, ayant l'argent et tout ça. La maman du bébé n'a qu'à être sale. Sale, sans habit, habit déchiré. Amen. Elle sans sueur et tout. Mais quand cette femme viendra, elle en train de venir, le bébé, il va se coller à sa maman. Il va attraper le pagne de sa maman, il va se coller. Tout ça, ça ne l'intimide pas. Au contraire, tout ça le fait plus rapprocher à sa maman. Ne soyez pas des feuilles mortes, des feuilles sèches, des parties de coton. Amen, ballotté par le vent, ne papillonnez pas, mais restez ferme, figé sur la parole. Gloire à Jésus-Christ. Si vous ne savez pas qui est William Marion Branham,
Oh frère. Alléluia. Oh, à la fin, un jour viendra, nous comprendrons. Nous remercierons le Seigneur éternellement. On pleurera de joie et de reconnaissance. J'ai cru ce message. Quelle bénédiction inépuisable. Si vous ne reconnaissez pas qui je suis, vous mourrez dans votre péché. Reconnaître Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée. Amen. Sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Les ailes de Dieu, c'est les ailes du prophète. Les ailes de Dieu, c'est de rassembler son peuple sous le ministère d'un prophète. Il a dit avec Moïse, l'aigle, on se lève et vole au-dessus de ses petits et le couvre de ses ailes. Oh, j'ai volé au-dessus de toi et je te couvais par mes ailes, etc. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Heureux l'homme que Dieu cache sous ses ailes, qui se repose à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Et je vous ai montré que les ailes, les plumes, c'est l'écriture. Avant, on écrivait avec des plumes. On plongeait la plume dans l'encre et puis on écrivait. Donc se réfugier sous les plumes, c'est se réfugier sous les écritures. C'est se réfugier sous la parole. Et la parole de Dieu vient par un prophète. Le prophète est la plume de Dieu pour écrire sa parole sur la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans Luc 19:41, ils te détruiront. Oui, Jérusalem, parce que tu as rejeté. Tu n'as pas reconnu les prophètes. Luc 19:41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus la voyant pleura sur elle. Et dit, si toi aussi au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. C'est pourquoi Dieu doit ouvrir nos yeux. Afin que nous puissions le reconnaître. Là quand il rentrait dans Jérusalem, la grâce a été donnée à certains. Et puis qu'ils l'ont reconnu, dressé leurs pagnes, agité les plumes. Amen. Les palmes. Et l'ont reconnu comme le roi qui entre. Amen. Dans Jérusalem. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. William Branham, c'est la visitation de Dieu. La femme de Lot n'a pas reconnu la visitation. Elle a péri. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jéricho n'a pas reconnu la visitation des anges, des messagers de Josué. Jéricho a péri. Si nous ne reconnaissons pas ce message, nous mourons dans Sodome. Nous sommes dans un Sodome. Et Dieu a envoyé un ange. Si nous ne reconnaissons pas cet ange, nous allons périr. Ne penchons pas vers Sodome. Penchons vers la montagne. Ne regardons pas derrière. Regardons en avant. Et avançons dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Ne nous détournons pas de ce message. Nous sommes dans l'âge de Sodome. Comme la femme de Lot, ne nous détournons pas de ce message. Mais allons dans les montagnes. Il dit, il n'y a pas d'herbe pour les brebis. Mais Abraham se sentait bien. Là, il y avait Melchisédek. Là, il y avait le pain et le vin. Là, il y avait la circoncision. Là, il y avait la vie. Là, il y avait le salut. Là, il y avait le Fils unique. Là, il y avait la foi. Amen. Allons dans les montagnes. Un mot demeuré là, frère. Alléluia. Ce message, c'est Dieu lui-même visitant son peuple. Ce monde est réservé pour le feu, pour le déluge de feu.
mais heureux celui qui croit. Que Dieu nous révèle pleinement ce message et que rien ne nous amène à douter ce message, à douter de ce message. Mais croyons de tout notre cœur et nous posséderons le pays. Nous posséderons toute la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Yeah.